Hey! Petite vidéo aujourd'hui, bienvenue à tout le monde. Donc voilà, on va regarder un petit peu les jouets insolites. Donc j'espère que vous avez reçu plein de cadeaux avec les fêtes, Noël, tout ça. Voilà, Nouvel An, tout bien les gars. Donc on va regarder un petit peu une petite compilation de jouets, je crois, sauf erreur, qui ont été retirés du marché, qui étaient un petit peu bizarres vu leur fonctionnement ou même voilà, un petit peu de défaut ou bizarre. Plus bizarre, voilà. On va regarder ça, on va commencer direct. C'est parti. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Go. Bon là, pour toutes les personnes qui ont des enfants, du coup, voilà, on connaît tous Sophie la girafe. Sophie la girafe, c'est un jouet pas trop cher, en forme de girafe, où quand tu appuies dessus, ça fait bric bric, ça fait un petit bruit. Sauf erreur, voilà, on peut le voir dans l'image, là, juste ici, nickel, enfin partout, voilà. Et beaucoup d'enfants en fait l'a mordi ce jouet là et il faut savoir qu'il y a des petits trous et la moisissure avec la bave se crée dedans et du coup si tu le coupes à l'intérieur du coup le jouet est moisi, voilà. Donc ça je crois il est encore dans le marché sauf erreur, mais sachez que voilà, si tu l'as depuis un petit moment à l'intérieur de Sophie c'est moisi. On regarde la suivante, c'est parti. Ok, donc là, suivons, on a tous eu des gourdes à l'école, des gourdes, ou pour nos enfants, ou n'importe. Du coup, on connaît tous Buzz l'éclair, ils ont fait un modèle exprès pour Buzz l'éclair. Et voilà, une gourde Buzz l'éclair, ça a l'air sympa et tout ça, sauf que le défaut un petit peu de cette gourde, c'est que pour boire la gourde, c'est au niveau... Non, c'est au niveau Et... voilà, ils ont fait pour plusieurs modèles, pour dessins animés, pour plein de modèles Disney, on peut regarder ça juste là, voilà. Et ça n'a pas trop marché, je pense, puisque voilà, c'est un petit peu bizarre de... En gros, à chaque fois que tu bois, bah tu... Buzz l'éclair. Suivant, donc là on connaît tous un petit peu Polly Pocket, je vous mets là en vidéo, voilà, vous voyez. Du coup, là ils ont fait un espèce de petit personnage que tu peux asseoir sur un petit tronc d'arbre. Sauf que le problème, la branche de l'arbre lui rentre complètement dans le... Donc là, il y a un petit problème de... Voilà. Du coup, ce jouet a été retiré, normalement, d'après mes infos, parce que c'est un petit peu chelou. Ok ? Suivant. Donc là, grand, voilà, jouet un petit peu comme Action Man, sauf c'est The Punisher, ils l'ont fait en espèce de figurine. The Punisher dans Marvel. Et voilà, ils ont fait la figurine, la même chose, un petit peu le même style, sauf que voilà, son arme principale, c'est bizarre. C'est son arme principale, c'est un tournevis, ou je sais pas. Et voilà, c'est son... Du coup, voilà, ils ont retiré ça parce que c'était un petit peu bizarre. Ça fait comme si, voilà... Ah, enfin un truc normal. Du coup, là, le truc pour Batman, et ils ont fait Batman et Robin, et voilà, c'est deux petites figurines normales. Mais j'ai déjà vu ça, normalement, ils tiennent. C'est principalement, voilà, il y a des gens qui ont les idées mal tournées, pardon, et voilà. Du coup, c'est pour tenir principalement, je pense, une arme, une épée, une connerie comme ça. Et là, le problème, c'est que la main, comme on peut voir dans l'image, voilà, quand tu les baisses les bras, du coup, ça fait genre, voilà, ça fait genre qu'ils se peuvent tenir leur voilà. À vous de dire, voilà, c'est normal ou pas. Oui, moi, ça me choque. Moi, ça me choque pas, parce que moi, je suis un petit peu... Mais il y en a, voilà. Donc, chacun leur avis. Suivant. Mais oui, là, c'est mon petit Winnie. On va regarder, alors, qu'est-ce qu'il propose avec Winnie. Normal. Ah, ça va, ça va. Ça va, c'est un petit peu... Moi, j'ai eu pire, les gars. Moi, je vous jure, j'ai eu pire. J'avais un clown, je vous jure, c'est vrai. C'était pas un jeu chelou, sexuel. Je vous jure, c'est vrai. J'ai eu un clown chez moi qui était gonflable. Alors, déjà, tu vas te dire, non, je vous jure que c'est vrai. Un clown gonflable, c'était un jeu pour adultes, je pense. Voilà, mais c'était pas pour... C'était vraiment ça. C'était le clown qui avait une espèce de... Voilà. Et il y avait des... Tu connais le jeu du... avec les anneaux? Il fallait crocher les anneaux lancés et que ça se... Le but, c'était de... Voilà, les anneaux se fixent autour du truc. Mais c'est... Là, ça va, c'est pas... Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, voilà. Ça va. Mais voilà, après, c'est vrai que le... Voilà. Suivant. Bob l'éponge carré, wow.
Bon là ça va, c'est Bob l'éponge, voilà. On a tous eu des ballons gonflables avec l'hélium et voilà. Du coup, pour gonfler ce ballon, c'est en l'entrejambe. Je sais pas, je me rappelle l'autre fois j'étais à Ballon Muller pour Halloween et j'utilise pas trop ces ballons aux anniversaires et tout ça. Bon, j'utilise des formes plus ou moins normaux. Mais là, voilà. Je sais pas. Suivant. Pour le suivant, voilà, c'est Wolverine. Wolverine, c'est un ballon, la même chose. Et un ballon de piscine ou je sais pas. Et pour le gonfler, du coup, c'est le même système. Alors, est-ce que c'est pas fait exprès? Je ne pense pas. De toute façon, ces jouets ont été retirés du marché. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui se plaignent et tout ça. Et puis voilà, celui-là, il a été aussi retiré. Et pour le dernier, voilà, c'est Superman. Donc c'est une poupée gonflable, mais pour les enfants vraiment. Et bon là, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Ce qui choque un petit peu, c'est sa bouche. Voilà. Bon, voilà. C'est vrai que c'est un peu copié aux poupées, voilà. Mais voilà. Donc tous ces jouets ont été retirés du marché, enfin malheureusement ou heureusement pour certains, je ne sais pas. Donc voilà. Si ça t'a plu, cette petite compilation de jouets qui ont été retirés, donc voilà. Ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et puis voilà, il y aura plein d'autres vidéos, je sais pas dans ce style là, mais plus ou moins. Et d'autres projets qui commencent, que je mets un petit peu en place pour réfléchir et tout ça. Mais voilà, du coup voilà, ciao ciao.